Alors, faire de la résine acrylique, c'est pas compliqué. On prend un pot en plastique, une balance domestique, 6 grammes près. On fait la tare. On verse la partie B, qui est la partie liquide de la résine décomposante acrylique. Là, par exemple, j'en mets 50 grammes. Donc là, la balance indique 50 grammes. Je prends maintenant la partie A de la résine décomposante qui se présente sous une forme de poudre. Je verse le double du poids précédent dans le bac en plastique, c'est-à-dire 100 grammes, 2 fois 50 grammes. Pas très grave si on dépasse un peu la quantité. Une fois que j'ai pesé les deux éléments, je les mélange avec un pinceau. Je fais attention de ne pas faire trop de bulles d'air ni de faire de grumeaux. J'essaie d'avoir un mélange onctueux et le plus homogène possible. Alors ça donne au début un mélange qui est très très liquide. Et en fait, au bout de 2 minutes, il va légèrement s'épaissir, dès que la réaction commence à se faire. Et ça deviendra beaucoup plus crémeux.
Oh.